Ma Mission TV, le miroir du monde. Et salut déjà, plusieurs mois depuis le territoire Misusu ya Est, la République démocratique du Congo, et Zali occupé dans Maboko, Yaba M23. Par Congolais, Bazar Okufa, Tongo, Midi, Poko, Anali, Kamoubaibi, Moutouna, Makoloté, alors que, tout Oyo, Baebi, Orgine, Yager, Oyo, Atande, Gonabango, Moko, Akufa, Nanou, Tena, Makambo, Oyo, Kakabane, Batunde, Kokufa, Kalouro, Lali, Pamateka, Ophélé. Kasi, depuis le mois de juin 2022, des guerres Oyo, et Yaka, Kozong, en la République démocratique du Congo, Kasi, Nenge, Moko, Yamabe, Poba, M23. Batakaka ba FRDC pemba la moko ba botola bunagana. Malembe, na negligence ya ba konzi ya mboka na biso, ti ba M23 ba yaki kozwa possession ya territoire mobimba ya Rutshuru. Boni melanga, jusque là, ba Congolais ba zali ko comprendre te. Naninde azali ko loba vérité sur guerre oyo, gouvernement Congolais e koloba ndenge mususu, kaka na likambu yango EACP ekoye koloba le contraire ya oyo lobamaki ba 23 pe babuka na raté tango bayaka ko apparaître ezalaka pona komema pe version na bango surtout na o etali koya ya ba force régionale la République démocratique du Congo président de la République Félix Antoine Tshisekedi alobaka na mokili mobimba ke ba force régionale kenyane ba kokota na RDC par Bunagana on a frappé Malamoro ba M23 et puis on a récupéré parti Est de la République démocratique du Congo au Yekangamaki na maboko ya ba M23 Bunagana. Alors quand est-ce que cette force sera totalement déployée et combien d'hommes seront sur votre sol? Mais je vous ai dit que la force est en train d'être déployée. Les Burundais sont là déjà dans le sud Kivu. Les Kenyans sont, à mon avis, c'est une question de jours. Ils vont d'ailleurs, pour votre information, entrer par Bunagana. Donc ça se déploie petit à petit en fonction des moyens aussi. C'est pour ça que nous étions ici aussi et que nous avons pris des contacts. C'était pour sensibiliser les bailleurs de fonds afin d'accompagner cette force régionale. Et donc si les Kenyans tombent sur le M23 à Bunagana? Ben voilà, vous savez ce qui va arriver au M23. 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 Les jours, il y a entraîné à Bangope et Kokaka. Kasiko Kamoma Kasi, pour la force régionale, ba côté la Kanabango Nanzela Moussousou, Oyokutu chef de l'État Lobaka, ba leke la Kaparwanate, Nzokande, Bango Bato Sakaka, Kaneng Bayokanaka na Somme, ya Nairobi. C'est-à-dire, confusion, ya guerre, ya Est et Bandarande, Wana. Après Sima Mikolo, Tomonaka Patrick Mouya ya porte-parole, ya gouvernement, Pena porte-parole, il y a un FRDC, un briefing pour la relève que la force régionale est née dans la République démocratique du Congo pour la mission encore offensive. C'est-à-dire qu'il y a un FRDC pour que tout fin na ba M23 na ba groupes armés ni en sort ba zali ko zangi sa biso kimia lola basili na mutu. 48 heures après, EAC et Yaka ko répondre pour na go publier vraie mission ya ba force régionale. Toujours les contraires ya Oyo Lobamaka na briefing ya Patrick Mouyaya. Le 3 février 2023 Oyo ba vidéo moko circulaka na ba réseaux sociaux Oyo tomonaka ndenge Fatou Béton abanaka ko plaider et pa ya commanda ya ba force régionale ya EAC. C'est très dommage que la population s'entraîne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Koutou vidéo Oyo, et Pesaka population Yagoma Kanda na Nenge Ali Sekite. Ba salaka kutu ba marche pacifique ya ndenge na ndenge na ba jour et belé ya ba ville morte.
pour na kosenga kaka départ ya ba force ya EAC. Pour analyse basala ki eza que musala na bango e monana raté na sol congolais kutu atangungi ya Congo na anu batikala ko bomate musala na bango ko kendaka kaka na bazamba pour na kosala ka ba selfie na ba montagne surtout na ba espèce ya ndenge na ndenge nzamba pesa biso pour na bango mission ezali na ngonde ya tourisme. Après quelques jours, il y a ma ville morte dans ma marche pacifique. Et Salamara na Goma, et Zalaginde, on dirait, bah, tu vas y essayer ton gars, bah, y'a qu'à qu'on soit décision, n'a sommé, y'a Bujumbura, y'a qu'on bah, qui s'allie sous sous-effectif, y'a ma militaire, n'a bango, wapie paï, to monaka entré, y'a ma force ougandaise, soudanaise, peu bah, mi sous-sous, bah, y'a qui le sous-sous, qu'on bah, qui s'amaka, qu'en a mission, y'a tourisme. Car si n'engue, tout ça, qu'on va bouiller, présidente de la République de Tanzanie. A outre que ça, le message moko pour na kotali sa mission ya ba force régionale ya EAC na République démocratique du Congo parce que et comme si j'ai ya ko peti saka ba congolais li ba kutongo midi pourquoi pour ba marche o esalemi déjà na nenge to sa kolobaka na ba media ezali pe ko sala bango passe kasi ya liboso a bandaki nanu na ko démentir nyonso oyo président de la République Fatou Beton a lobaka na monde entier sur mission ya ba force régionale na République démocratique du Congo. Après ayaki ndeko kene na deuxième volet ya kotalisa sikoyo vraie mission na bango na République démocratique du Congo wapie pai a talisi que ezali na yango kaka pou na métier ya kimia et non ya kobunda za mambo mengine. Kwa hiyo ni kuhakikishie kwamba DRC apart from MONUSCO na FIB, Fourth Intervention Brigade, ambao nchi zetu hizo tatu ziko pale. East Africa pia wamepeleka majeshi wako pale ambao kazi yao ni peacekeeping hivyo hivyo. Hatuendi kupigana. Tunakwenda kuzungumza, kufanya peacekeeping, kuongea na wale magaidi au rebels, vikosi vinavyopingana au vinavyo leta kutokuwa na amani katika eneo lile, wakubaliane na yale ambayo kama region tunawaelekeza. Tulifanikiwa under East Africa kuwatoa M23 kwenye eneo moja kuwaweka kwengine, lakini kule ndani kuna vikosi vingi, wakachokozana huko zikawashwa tena. Lakini kwa kweli kama East Africa tuna mpango kabambe wa kufanya eneo lile libaki salama. Kwa hiyo hatujafumba macho kupitia SADC, kupitia East Africa, wote tuko DRC kuhakikisha eneo lile linabaki salama. Kwa nini libaki salama? Sababu ni eneo muhimu sana kwa uchumi wa nchi zetu. Kwa mfano Tanzania tunajenga reli ile ya kisasa. Na reli ile tunataka itoke Tanzania ipite Kigoma, ipite Burundi, iende DRC. Na swala ni kufacilitate African Free Trade Protocol, kwamba tuweze kuuza bidhaa kupitia hiyo reli, halafu itakuwa na matawi kwenda Rwanda, itakuwa na matawi kwenda kwingine. Kwa hiyo lengo letu kuhakikisha DRC is peaceful so that socio-economic development of the region iweze kuwa achieved. Tala bino mokobo ebisa biso na ninde azali koloba verite entre président Fatou Beton pe président ya Tanzanie po bango mibale nde bazali ba membre ya EAC biso na dossier oyo penza tozali kaka komona molili. Cardinal Ambongo, okoki koyebisa biso pe analyse nini osali pona guerre ya Est ya République démocratique du Congo et pour une ba crise nyonso oyo Congo ezali ko traverser? Hermano Seigneur, nous voulons interpeller tous ces Congolais et Congolaises qui passent leur temps à faire des promesses aux gens de l'extérieur. Et si le Congo sera divisé demain, c'est à cause des promesses que nous faisons à des gens de l'extérieur. Les malheurs, ça va aujourd'hui sur nous, parce que certains de nos concitoyens ont signé des choses avec les ennemis. C'est parce que certains de nos frères et sœurs ont fait des
Lokota et Futagate, les contraires et Kotisara Mutunde, Nalibulu Kaka Nengebalobaka, Lokota et Yakana Sancer, vérité et Yakamale, mais malé, mais escalier, ti et Kokoma. Awa vérité et Zali Kobo Mama, Lokutande et Yena Sancer, Boye Bakake Mukolo, vérité Kokoma, les deux parties, et Yase, Naba Autorité à République démocratique du Congo, population a consens à binopé à agir na nene na ye. Kasi boye bakaka ke Congolais azaline na posa ya vérité ya ngonde e kosala ke to trouver solution na makambo nyoso ezali ko tungisa mboka. Awa pe bozali ko beta sete na likambo tali unité nationale kasi nene ni unité ko salema entre temps vérité bon mami quelque part le coutant des ali kolo ya mesa c'est-à-dire unité toza ko lokape pour mona ngote c'est mon colo vérité et Robin Malikolo a mis ça pour que Moutounioso aille bas. Écoutez, le Parlement doit faire son travail. Le Parlement ne doit pas donner sa langue au chat. Nous ne pouvons pas être dans un pays en guerre et un Parlement se contente de rester en vacances parlementaires au moment où le pays traversait des moments difficiles sur le plan sécuritaire. Maintenant, comme nous allons débuter la session de mars, je pense que c'est une session décisive, à mon humble avis, sur le plan socio-économique. La situation se dégrade de plus en plus et comme vous le savez, le produit des premières nécessités ont vu les prix doubler, si pas tripler, sur l'ensemble du territoire national. À Lubumbashi, où je me trouve actuellement, je ne peux que vous dire qu'un sac de farine de maïs est passé de 28 000 francs à 70 000 francs. Donc là, comprenez que la situation sociale devient de plus en plus catastrophique. Sans pour autant aussi oublier la situation sécuritaire. Ce n'est pas seulement l'est du pays. Par exemple, à Lubumbashi, je me trouve, vous allez voir que le louchois sont tués et emballés dans des sacs et jetés dans la rue. Et c'est la population qui trouve des corps sans vie les matins. Cela veut dire que ça ne va pas sur l'ensemble des territoires nationaux. Le Parlement doit faire son travail conformément aux missions lui assignées par la Constitution. Le régime actuel fonctionne comme si le Parlement n'existait pas, sans aucune pression ni contrôle parlementaire. Ce gouvernement essaie de trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais. Un gouvernement qui a échoué sur tous les plans. Il n'y a aucun secteur où ce gouvernement arriverait à présenter des résultats aussi non positifs, à mon humble avis. Personne ne peut parler, car la majorité parlementaire ne sert que des boîtes de résonance du pouvoir exécutif et qui est devenue insensible face aux problèmes du peuple congolais. Donc vous allez comprendre ici que ça n'a rien à voir avec le FCC, l'initiative, la convocation d'une session extraordinaire pendant les vacances parlementaires n'a rien à voir avec les FCC, car la souffrance du peuple n'a pas de couleur politique. Et moi je pense qu'en qualité d'élu, j'ai le droit de prendre des initiatives parlementaires conformément à la Constitution et au règlement intérieur de notre Chambre. Et le Parlement a déjà donné, comme vous le savez, sa langue au chat, comme je venais de le dire, et c'est vraiment malheureux pour le peuple congolais. Comme je venais de le dire une fois de plus, cette session est une session de tous les enjeux. L'opposition reste les remparts de la population et nous devons prendre toutes les responsabilités en main pour permettre au Parlement de faire son travail tel que souhaité par nos concitoyens en souffrance. Ma mission TV, le miroir du monde.